Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Annie Lemoine, Gérard Miller, Philippe Vandel, Elsa Fayère, Philippe Gueluc et Caroline Diamant. On était en train de s'amuser entre nous pendant le générique, parce que c'est fou, mais on s'aperçoit quand vous allez chez le coiffeur. Oui, oui, ça le rajeunit. C'est incroyable. Et pourtant, il n'y a quand même pas beaucoup de travail. Non. Mais non. Ça se voit. Mais ça se voit, ce qui prouve tout de même qu'il y a des cheveux. Oui. Alors, quelles sont les mauvaises langues qui disent que je suis chauve? Un chauve a-t-il des cheveux? Non, puisqu'il est chauve. Or, j'ai des cheveux, donc je ne suis pas chauve. Gérard, vous allez bien? Je vais très bien. Moi, ce qui me désole avec Philippe, je lui dis chaque fois, ne renonce pas à séduire. Tu es de plus en plus laid parce que tu le veux. Mais regardez sa tête. C'est pas une tête de quelqu'un Attends, qui a envie de séduire. Je suis de plus en plus laid parce que je le veux bien. Mais ça, je vais vous dire, Gérard Miller, c'est pas bien. Non. Si j'étais Bruno Mazur, je raconterais dans un livre ce que vous venez de dire. Non, mais vous savez, se faire insulter par un nain qui se teint les cheveux, c'est pas vraiment... Ah, bon, mais moi, je vais y aller. Ah. Oh là là, mais quand on s'en dit entre elles... Ouais. Non, nous nous aimons, mais oui. Nous plaisantons. Méfiez-vous, Gueluc, parce que c'est un nain puissant. Dans certains milieux. On va essayer d'élever un peu le niveau, quand même, hein. Il est temps de passer à la photo du jour, et cette photo, évidemment, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas faire différemment que les autres. Remarquez, hier, nous recevions deux journalistes qui venaient nous présenter un livre sur Ségolène Royal. On a devancé toute la presse hebdomadaire parce que, alors, regardez, 4 hebdos avec Ségolène Royal en une, Paris Match, VSD, Le Point, Le Nouvel Observateur, c'est le grand chelem pour Ségolène Royal. Même Sharon Stone n'avait pas eu le droit à autant de couverture d'hebdomadaire. D'ailleurs, regardez sur cette photo de Paris Match, on voit que dans le jeu du croisement de jambes, elle aussi, Ségolène, elle est très douée. Bon. Annie. Et c'est très amusant, elle va finir par bénéficier de ses atouts de femme, parce que vous notez son croisement de jambes, tout ça, mais vous auriez ah, pu montrer... Voilà, les c'est bottes sexy, et tout ça. Bottes. Mais en fait, vous auriez pu montrer ce qu'elle regarde, elle est en train de regarder Villepin, elle est en train de réfléchir. Exact. Mais vous ne le voyez pas. Mais ce qui est drôle, c'est quand on pense quand même que Fabius, Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang étaient encore il y a quelques jours de ceux qui disaient que ce n'était qu'un phénomène royal, qu'elle allait être un feu de paille, eh bien, ils se sont mis la paille dans l'œil avec la poutre qui va avec. Quant à Lionel Jospin, n'en parlons même pas, il n'y a plus qu'à l'inscrire au même club de domino que Dominique de Villepin. Franchement, Gérard. Attention à la saturation, je trouve, oui. Un an avant l'élection, que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un peu inquiet parce que j'attends de lire ses idées, sa stratégie. Ah non, mais alors arrêtez de dire ça. Parce oui. que pendant 15 jours, 3 semaines, 2 voilà. mois, 3 mois, on n'arrête pas arrêté de nous dire elle ne parle pas, elle ne parle pas. Là, elle parle, vous n'avez qu'à lire les hebdos, Gérard. Il y a tout dedans, voilà. Et elle a inventé un truc terrible pour être là toutes les semaines. Elle a mis son livre, elle va faire un livre qui va sortir et elle va mettre tous les mois ou toutes les semaines un chapitre sur Internet. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc on va le lire peu à peu. Au lieu de le sortir d'un blog, voilà. elle le sort en plusieurs. Exactement, exactement. Et il va sortir en septembre. Pardonne-moi, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Parce que... Encore plus, parce que oui, déjà, c'était pas mal. Parce que, en fait, les gens vont réagir, évidemment, tous les 15 jours. Elle va introduire des réactions des gens, etc. C'est un dialogue. Et ça sortira en septembre. En septembre, au moment de la désignation du candidat socialiste. Bref, elle est très douée. Et celui qui, évidemment, se fait du souci, c'est François Hollande. Non pas qu'il soit malheureux du succès de sa compagne, mais évidemment, ça lui vaut maintenant tous les surnoms. On avait déjà entendu Cécilio, évidemment. Je crois, Philippe, vous l'aviez surnommé un temps Madame Pièce Jaune. Monsieur Pièce Jaune. Oui, oui, monsieur Pièce Jaune. Il paraît qu'il rencontre David Douillet en toute... Il paraît même qu'en référence à Madame Chirac, on l'appelle aussi Bernardo en Corrèze. Et comme Ségolène Royal n'a jamais voulu être Madame Hollande, elle avait été elle-même un temps surnommée Amsterdam. Et c'est lui maintenant qu'on appelle Amsterhom. Ce qui est sûr, c'est que le jour où à Sciences Po ou à l'ENA, François Hollande s'est assis à côté de Ségolène, il ne pensait pas qu'elle prendrait un jour plus d'importance que lui. S'il avait su, il se serait assis à côté de Marie-Lise Lebranchu. Ça me fait plutôt de la peine, moi. Pourquoi? Je trouve qu'il vit le succès de sa femme, comme ça, un peu par procuration. Ça me fait plutôt ouais. du mal pour Dis lui. Dis bonjour à ton mari qui te regarde. Heureusement, d'ailleurs...
Heureusement, il n'y a pas que Ségolène Royal dans l'actualité, il y a aussi Joachim Noah. Et là encore, les journaux sont plusieurs à avoir eu la même idée, la preuve, dans Le Parisien. Regardez, quand Yannick Noah parle de Joachim, à la une de François, Yannick Noah parle de son fils Joachim, à la une de Paris Match, Noah, mon fils... Ah tiens, regardez, dites donc, elle a réussi à se glisser là. Ah oui, Ségolène. Elle est sur tous les coups. Hein. Ça, c'est quand même fou. Oh, ils sont forts quand même. Mais en même temps... Elle est forte, hein. Son plan communication est fort. Hein, il est balèze. À la une de Match aussi, Noah, mon fils, ce héros. Il paraît en tout cas que cette belle histoire a fait chuter les ventes chez Sloggy. Ben oui, c'est normal. Si ranger son matériel dans un slip, ça te fait avoir un gosse de 2m09, ça fait réfléchir. Ouais. En tout cas, 2m09, ça prouve que Noah a payé la pension alimentaire. Ah, ouais. Une autre photo, on reste dans le sport. Guy Lacombe, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, dont on nous dit que le rachat du club pourrait voir son remplacement. En effet, c'est une conséquence... Oh bah tiens, elle est là aussi, dites-donc. Ah non, elle est douée, hein. Et dans Le Parisien, restons donc sur le Paris Saint-Germain, on nous parle même d'un entraîneur qui s'appelle Luxemburgo et qui pourrait remplacer Guy Lacombe. Ben, ils ont tout compris, les nouveaux investisseurs du Paris Saint-Germain. Quitte à placer de l'argent, autant choisir tout de suite un entraîneur qui porte déjà le nom d'un paradis fiscal. Oui, Gérard. Non, non, non. J'apprends toujours beaucoup de choses sur le foot avec vous. Pourquoi ? Je ne connaissais pas Lacombe, je découvre Luxemburgo. Tu ne connaissais pas Lacombe ? Non. Alors, je vais te résumer. Il y avait un président, il y avait un entraîneur au PSG. Comme ça allait mal, le président a viré l'entraîneur. Puis après, comme ça allait toujours mal, le président s'est fait virer. Le nouveau président a nommé un nouvel entraîneur. Et maintenant, arrive un nouveau président. Il allait au Real de Madrid prendre le nouvel entraîneur qui avait été viré par le président du Real, qui lui-même vient de se faire virer, et il pense gagner l'année prochaine. Mais c'est impossible. Alors, il y a aussi l'actualité people et qui se mêle parfois à l'actualité football. On nous annonce la séparation prochaine de David et Victoria Beckham. Ça, c'est assez triste. Il paraît que David Beckham aurait été vu avec une nouvelle Spice Girl. Regardez. C'est vrai, après tout, que s'il y a une chose dont on peut s'inspirer dans la politique anglaise de Tony Blair, autant que ce soit les footballeurs. Et on termine par ces superbes photos. Alors ça nous change complètement parce que Match publie des photos sous la mer, le monde des merveilles, des photos, je ne sais pas si vous les avez vues dans Match, des photos jamais vues, 14 pages spéciales. Alors j'ai regardé de plus près parce que c'est assez curieux, quand on regarde ces photos, on se dit que sous la mer, finalement, c'est comme à la surface. Regardez, par exemple, ce grand hippocampe, est-ce que ça ne vous fait pas penser à Dominique de Villepin? C'est complètement lui. Absolument. Après, il y a une autre photo, regardez, Lionel Jospin. Oui. C'est totalement Jospin, les mêmes yeux globuleux. Ce truc vert tout gluant, là, regardez, hop, Antoine Wächter. Hein. Et là, regardez, là, cette photo, le couple Hollande et Ségolène qui sont en train de s'embrasser. Là, regardez la photo suivante, c'est Chirac qui tente de bouffer Sarkozy. Et on termine, voilà, la photo finale, une manif anti-CPE. Notre invitée maintenant s'appelle Olivia Ruiz. Elle va nous rejoindre sur ce plateau après J'aime pas l'amour, un premier album très réussi qui avait fait l'unanimité auprès de la critique. La jeune chanteuse revient avec un deuxième album, La Femme Chocolat, un album à croquer évidemment, sorti au mois de novembre dernier, qui est déjà disque d'or. C'est l'une des artistes les plus douées de la nouvelle scène française. Outre cet album La Femme Chocolat, Olivia Ruiz est en tournée actuellement dans toute la France et lundi soir prochain, elle sera de passage à Paris, au Bataclan. La voici, Olivia Ruiz. Bonsoir, bienvenue. Je me souviens vous avoir reçu ici même pour votre premier album. Michel Drucker dirait quel parcours. C'est vrai, vous pouvez quand même pas imaginer que vous alliez avoir autant de succès. Hein? Ah ben, moi non plus, je pouvais pas imaginer. Et là, c'est vrai que les surprises s'enchaînent et c'est incroyable. Disque d'or, ça veut dire combien d'albums vendus? 100 000, ça veut dire. 100 000 ouais. C'est bien. Ah ben, c'est carrément bien, j'ai même pas osé en rêver. Ce petit accent, c'est l'accent de Marseillette où vous serez le 9 juin prochain? C'est ma date événement de la tournée, je me suis battue pour l'avoir, c'est mon village dans le sud. Donc vous êtes contente de passer à Marseille. Ah, mais il y a une contente. Salle pour vous accueillir, vous allez chanter où à Marseille? Non, à l'extérieur, sur la place du village, ça s'appelle devant la salle du peuple, Le Cantou. C'est vraiment le truc bien de chez moi, quoi. Vous êtes en tournée à travers la France, il y a une chanson qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est « Je traîne des pieds », on en regarde un extrait. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon petit cœur tout mou,
la pêche, cette chanson. Caroline Diamant, la spécialiste du disque aujourd'hui. Alors, la spécialiste du disque, si c'est comme ça que vous me voyez, tant mieux. Il y a quelque chose que j'adore chez vous, au-delà de votre album, c'est que vous faites partie de ces femmes qui sont très belles et qui ne jouent absolument pas de leur physique. C'est toujours quelque chose de très touchant. C'est vrai, les filles très jolies, je suis désolée, qui ne minotent pas. Vous n'êtes pas du genre à se mettre en rouge à lèvres, qui se voit, par exemple. Ça n'a aucun rapport, il y a plusieurs types de beauté dans Ils la vie. Ils n'avaient pas le même en clignotant. Mais attends, si j'avais sa beauté à elle... Je viendrai aussi le cheveu lâché, décontracté, avec des godelures. C'est bien ça que j'admire chez elle. Il y a un charme fou dans ce que vous faites. Alors, je vous dis tout de suite, amateur de chanteuse canadienne, passez un peu votre route, parce que c'est effectivement pas des performances vocales, mais tellement de charme. Elle chante espagnol, ça me donne envie d'apprendre l'espagnol, enfin le catalan, cette chanson cachée avec son papa, c'est je sais pas, c'est à la fois rock, j'aime pas le rock, mais votre rock, eh ben j'aime bien ça. Non, c'est un charme fou, moi je suis très 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 séduite par le personnage. Annie Lemoine. Moi je savais dès le début. Non mais c'est vrai, c'est pas souvent que je dis ça, mais je savais. Quand je vous ai entendu chanter Zazie, j'ai oublié le titre. J'en vois valser. Alors là, j'étais devant ma télévision, je suis restée scotchée, je me suis dit cette fille-là, elle a quelque chose de différent, pas comme les autres, elle va y arriver. Alors je suis tellement heureuse, j'aime beaucoup l'album que vous avez fait là, c'est le deuxième, vous êtes là entière, vous avez composé 5 chansons, vous faites appel aux gens apparemment que vous aimez, à des artistes qui ont beaucoup de talent, et je trouve que le miracle a eu lieu. Comment ça s'est fait, je sais pas, ça doit être votre force de caractère, parce que moi j'imagine les maisons de disques, les majors, je sais pas comment tu appelles ça, qui doivent essayer de vous demander des choses formatées. Qu'est-ce que... Pas vraiment, parce que moi c'est vrai que quand je suis arrivée chez Polydor avec toutes mes petites chansons, j'ai été claire au début, j'ai dit ne me signez pas si vous voulez faire de moi quelqu'un que je suis pas, donc en fait j'ai même pas à me battre contre eux, parce qu'ils ont mis des plombes à me signer du coup, parce qu'il a fallu que je fasse mes preuves, mais au moment où ils m'ont signé c'était pour me prendre telle que j'étais, donc c'est vrai que j'ai cette chance de pas avoir à me battre. Là par exemple sur l'album, mon grand patron Jean-Philippe, il déteste Vitrier. Je lui ai fait ma bouche en cœur et j'ai dit mais moi je l'aime, et puis il a dit bon bah mais là c'est voilà. Jean-Philippe Allard qui s'occupe de Juliette aussi. Oui voilà, donc il est habitué à avoir des morceaux de toute façon. Elsa Fayer. Alors moi j'étais je sais pas en fait, parce que moi c'est pas du tout mon genre de musique, mais alors vraiment pas, j'ai pas d'affinité, j'aime pas forcément écouter ce genre de son. Et pourtant, je suis très rap, très R&B, très soul, donc c'est vrai que c'est un univers qui moi ne me touche pas. Mais on ne peut pas, en écoutant votre album, ne pas saluer votre talent. Parce que réellement, je crois, dernièrement, je n'ai pas écouté quelque chose d'aussi puissant, d'aussi fort, avec autant de nuances. Vous êtes tout. Moi, quand j'ai écouté votre album, je me suis mise à la place d'un homme et je me suis dit, elle est fragile, elle est touchante, on a envie de la protéger. Et puis en même temps, à un moment, elle envoie tout valser. Et je me suis dit, si j'étais un homme et que je découvrais son album, ben, je crois que je tomberais amoureux d'elle. Gérard Miller. Qu'est-ce que je suis content de ne jamais, jamais vous avoir entendu à la Starac. Parce que lorsque j'ai découvert votre premier album, je l'ai mis tellement en boucle que si je vous avais vu et que j'avais découvert que vous étiez jolie, j'aurais eu des reproches dans mon foyer. On m'aurait dit « Ah, bien sûr, c'est parce qu'elle est cadeau. » Ne nous dis pas que tu l'avais sur ton MP3. Non mais en plus, ce qui est rare, je trouve, dans les chansons qui arrivent et que j'aime, c'est qu'on peut vous écouter absolument en boucle. Je ne suis donc pas du tout lassé encore. T'as l'habitude d'être en boucle en même temps, c'est normal. Je ne suis pas du tout lassé de ce second album, il est formidable. Gueuluc qui n'est pas en boucle parce que ça se saurait. Non mais je l'ai bien écouté aussi. Et je vais vous parler franchement, je n'aime pas du tout qu'on dise du mal de votre disque. Je l'adore. Et contrairement à Elsa, moi, vous êtes tout à fait dans le monde musical que j'aime. Vous avez dit que vous aimiez le générique musical de l'émission Striptease avec les cuivres. Ça a été une référence pour La Fille du Vent, par exemple, exactement. Pour expliquer ce que je voulais. J'ai amené ce titre-là. Et ça me touche toutes les musiques de Bregovic, de Kusturica. Moi, c'est des choses que j'adore, qui me filent la chair de poule. Vandel. Je vais faire un tout petit bémol. J'aime beaucoup cette musique. Quand j'entends ça, j'entends Benabar, j'entends Thomas Fersen, j'entends des trucs plus anciens, j'entends Pigalle, Les Garçons Bouchers, des trucs un petit peu réalistes. Alors, je vais faire le petit bémol. C'est, je trouve que vous n'êtes pas encore assez vous-même. Vous faites l'effet de quelqu'un qui revient de la brocante, qui a acheté plein de beaux objets, on arrive chez elle et c'est pas encore complètement chez elle. Et je suis très content parce que je me dis qu'après celui-ci, il y aura un troisième et un quatrième album qui seront encore plus à vous et qui ne ressembleront qu'à vous. Et alors, ma question, c'est pourquoi vous ne faites pas tout vous-même, les textes, les musiques, pourquoi c'est pas complètement vous-même? Alors là, clairement, c'est moi qui ai tout dirigé de A à Z et je crois que Benabar, c'est pas forcément, même si j'adore le mec, c'est pas forcément quelqu'un qui m'inspire, par exemple.
même si les textes sont superbes. Par exemple, quand vous faites Goûtez-moi, scène, bien sûr. Goûtez-moi, ouais. C'est pas vous qui l'avez écrite. Non, mais c'est sur un fait de ma vie. Oui, mais une fille qui vous dit goûtez-moi, puis t'apprends que c'est un gars qui l'a écrit, ça fait pas le même effet. Et elle a discuté avec vous. Tiens. Ah non, non. Il... Justement, Mathias, il a vécu ce moment difficile. Voilà, j'ai rencontré des gens que je pensais merveilleux, à qui j'ai donné tout ce que j'avais et qui m'ont tout remis à travers la gueule. Et ça a été un moment de douleur. Et voilà, j'étais en train d'écrire un petit texte qui avait rien à voir. Je disais, j'aimerais bien en faire un rockab parce que je me sens bien et je me sens moi dans cette énergie-là. Et un jour, il m'a amené justement ce titre en me disant « Tu vas passer tes nerfs avec ça ». Et puis comme ça, finement, même s'ils ne seront jamais nommés, même s'ils ne sauront peut-être jamais que ça s'adresse à eux, tu vas te faire du bien. Et c'est vrai que ça a été totalement thérapeutique et que sur Goûtez-moi, je suis moi à 17 ans, à danse, en train de danser, de faire la folle et de m'amuser beaucoup avec ça. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose de vraiment... me soulage. C'est la femme chocolat, Olivia Ruiz, en tournée à travers la France. Lundi prochain, de passage à Paris au Bataclan. Je citais quelques dates au hasard. Par exemple, le Zénith d'Orléans, ce sera le 1er juin. Il y aura eu Besançon avant, Beauvais, Montauban, Bayonne. Vous serez à Montréal, au Francofolie aussi, pendant le mois de juin. Et vous reviendrez à Paris au mois de décembre 2006, à l'Olympia, le 14 décembre prochain. Une grande première, oui. Restez avec nous encore quelques minutes. Voici Jérôme Bonaldi. Il y a 10 ans, c'était impensable. Je suis heureux et fier de vous présenter le plus petit disque dur au monde. Avec la clé universelle, vous savez, qui se branche sur tous les ordinateurs, la clé USB. Là-dedans, il y a un mécanisme d'horlogerie. Là-dedans, il y a, pour le moment 4, bientôt 20 gigaoctets. C'est-à-dire, je vous le dis, 10 000 photos de bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? 5 000. C'est énorme. Ben, alors, c'est énorme. Vous savez qu'on peut tout mettre en 0 et 1. Le gigaoctet, mais bon, c'était juste pour vous dire que la mémoire informatique, parce que maintenant, tout est informatique, tout se traduit par des 0 et des 1, elle devient de plus en plus petite, de plus en plus légère. Ça fait 52 grammes. Ça veut dire qu'on va transporter de plus en plus avec soi, et pour pas cher. Et pour tout petit et tout léger, sa bibliothèque, sa vidéothèque, sa discothèque. Exemple. Ça. Alors voilà, montrez-moi votre nouveau tourne-disque portable. Ben, c'est pas vraiment un tourne-disque. C'est un autoradio. Dans votre voiture. Il faut avoir une grosse voiture. Mais non. Voici le premier autoradio où il y a le GPS intégré, évidemment. Ça fait la radio, ça fait la vidéo. Non, ça attends, non. Regardez, non, à la télé. On est dans l'autoradio. Bah oui. Chrissy, bravo, elle n'est même pas là ce soir. Mais c'est génial, la truanderie. C'est une émission enregistrée que j'ai mise avec un DVD. Ça lit tout. Attendez, j'aimerais voir Jean-Luc Lemoyne. J'ai l'impression que Gérard Miller, si on revoit Jean-Luc Lemoyne, il a récupéré la chemise qu'avait Jean-Luc ce jour-là. Notre habilleuse nous a encore truandé. Ah oui, regarde. Oui. Ah, c'est génial. Comme Gérard. Bon. Ça fait évidemment Bluetooth, Wi-Fi, machin. C'est-à-dire que ça fait le téléphone. L'intéressant du système, bravo, je vous en sais rien, mais. C'est le scoop, Gérard Miller et Jean-Luc Lemoyne vivent ensemble. L'intéressant du système, regardez. Et là, ça fait vachement joli. Pour l'ouvrir, attention, j'appuie sur le petit bouton. Ping. Je mets tous les disques à l'intérieur. Je suis en voiture. Tiens, j'ai le nouveau disque d'Olivia Ruiz. Je le foutis dedans. Ouais. J'attends un petit peu, toc toc toc. Tiens, je te rends ton disque. Ça y est, il est en mémoire. Ouais, dans le disque dur qui est ici. On peut les copier. Attendez. Il faut éjecter le disque qu'il y avait avant. Ah oui, voilà. Mais attends, on les copie gratuitement. Plus qu'un. Regardez bien, on va voir si ça marche vraiment. Je mets le disque d'Olivia Ruiz. Ah, et ça reste en mémoire même si tu reviens jamais avec le disque. Voilà. Ça, voilà. C'est une sorte de MP3 mais dans l'autoradio. La femme chocolat, elle est reconnue, vous avez vu. Ouais. Je traîne les pieds. Vous voulez celle-là? Je traîne les pieds. Allons-y. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est rapide. Non, ça, c'est vrai. Donc, Laurent est... Et on est parti sur la... C'est génial. Allez, Jérôme Bonaldi et Olivia Ruiz, merci. L'album La Femme Chocolat, excellente tournée. Bon Bataclan lundi prochain. Bon Olympia en décembre. Bienvenue. Merci à vous. Le 7 mars dernier, M. Jean Lassalle, député maire de Lourdes,
Hichère et vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, a entamé, vous le savez, vous en avez entendu parler forcément, une grève de la faim à l'Assemblée nationale pour protester contre la délocalisation d'une usine implantée à Acousse, dans la vallée d'Aspe, usine qui emploie 140 salariés. Demain, ça fera un mois que Jean Lassalle ne s'alimente plus. Il a perdu 15 kilos, mais il ne veut pas arrêter son jeûne tant qu'il n'aura pas la preuve tangible que la délocalisation de cette usine n'aura pas lieu. Nous allons tout de suite accueillir sur notre plateau, puisqu'il a accepté de se déplacer jusqu'à notre studio, Monsieur Jean Lassalle. Bienvenue. Je vous en prie, faites attention. Je me souviens vous avoir reçu ici même sur ce plateau il y a de cela plusieurs mois. C'est quand vous aviez chanté, c'était un peu plus joyeux quand vous aviez chanté. Très grand souvenir, hein? Oui. Très grand souvenir. Là, c'est un peu plus sérieux parce que vous voulez éviter une délocalisation d'une usine qui se trouve sur vos terres et vous voulez évidemment en appeler aux responsables et au gouvernement. Et ça fait quand même 5 semaines que vous avez cessé de vous alimenter, si ce n'est évidemment de boire de l'eau de temps en temps. On a dit dans la presse que vous preniez des vitamines pour Comment? Tenir le coup. Alors, je vais vous dire exactement ce que je prends, parce que je suis sur un suivi médical très strict. Je prends donc de l'eau non sucrée, je prends 2 pincées de sel, c'est atroce d'ailleurs, c'est du gros sel, vous savez, il faut se le faire passer. Et puis ensuite, je prends vitamine B1 et B2 et une vitamine pour empêcher la chute du potassium, parce que sinon, ça peut faire un arrêt cardiaque. Alors, il faut quand même rappeler exactement pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous vous affligez ce calvaire. C'est quand même un calvaire, c'est quand même très difficile ce que vous faites. Une grève de la faim qui dure 5 semaines, c'est pas évident. Vous êtes sur une banquette de l'Assemblée nationale. Monsieur Debré s'inquiète, le président de l'Assemblée nationale, pour votre santé. Tout ça pourquoi? Pour éviter une délocalisation d'une usine japonaise, enfin, qui appartient à des Japonais, c'est bien ça? Alors d'abord... Dans l'ordre, Debré, au début, il a essayé de me virer, hein, parce qu'il ne voulait pas d'un gréviste de l'affaire à l'Assemblée nationale. Bon, après, on s'est compris. Il m'a dit, tu restes, mais une condition, c'est qu'il y ait un contrôle médical tous les jours. Alors, le problème que j'expliquais, il est très compliqué, parce que expliquer ici, à Paris, que Total et Total, d'abord, ce n'est pas la même chose. Ensuite, expliquer que j'ai une usine dans la vallée d'Aspe, qui compte 2700 habitants aujourd'hui, qui en avait 12 000 en 1910... Donc 50% d'entre eux ont plus de 60 ans et que si cette usine part, c'est 150 salariés qui sont fichus parce qu'ils ne seront pas repris à l'AC. Donc c'est la vallée qui est fichue parce que le collège ferme et l'infirmerie ferme, tout le monde ferme, vous comprenez. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, tout le monde fout le camp. Donc vous voulez éviter que cette usine ferme? Surtout qu'elle n'a aucune raison de partir. Parce qu'elle a été convaincue de partir alors qu'elle tourne très bien. C'est une usine à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on part de lingots d'aluminium avec un camion semi-remorque de lingots d'aluminium. Vous faites travailler 150 bonhommes pendant un mois. Donc, que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est pareil. Et le produit fini, c'est du pigment d'aluminium pour peindre les voitures métallisées. 50% des voitures métallisées sont peintes à partir de cette usine-là. Vous pouvez le poster, le produit fini. Donc avant que je retrouve une usine aussi bien adaptée à ce territoire, pour courir au moment, j'en aurai plus jamais aucune. Alors certains commencent à dire que là, vous devriez arrêter parce que vous avez pas tout à fait obtenu ce que vous vouliez, mais quand même, on vous a donné quelques garanties. Alors lesquelles? J'ai rien obtenu du tout. Rien. Au contraire, Total de France, et le PDG. Le représentant de propriétaires japonais en France. Pour le japonais, le vrai japonais, j'ai beaucoup de respect pour son équipe aussi. On s'est vu 2 ou 3 fois, mais on n'a rien pu se dire parce que lui parle japonais, moi français. Évidemment. Et il y avait toujours ce PDG au milieu français qui parlait tantôt japonais, tantôt anglais, tantôt français. On n'y comprenait rien, ni lui ni moi. Mais j'ai vu à son regard que c'était un type sincère et droit. Qui avait le sens, voyez, de l'honneur. Ça veut dire qu'il y a un espoir encore, mais ça veut dire aussi que si vous n'aviez pas entamé cette grève de la faim, peut-être que le sort de cette usine serait déjà scellé. Ah, mais il était. Oui. Parce que j'ai tout essayé, comme vous le dites si bien. Bien sûr. Eh bien, ça n'a pas marché. Et donc, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, il y a 1 an et demi que j'ai pris la décision. Donc, je me demandais surtout si j'aurais le courage de le faire. Et puis, il y avait le problème de ma famille. Vous l'inquiétez, votre famille? Il y a une interview de votre maman, je crois, dans la presse aujourd'hui, qui s'inquiète pour votre santé. Oui, mais maman, elle dit des fois, parce qu'on n'a que 17 ans de différence d'âge, je ne sais pas si tu es mon fils ou mon frère, on ne sait pas ce qu'elle veut ensemble. Mais maman, elle ne va pas craquer. Elle me fait plus de soucis.
pour mon épouse et pour mes enfants, oui, parce qu'ils sont petits. Il n'y a pas que votre famille qui se fait du souci. Moi, je suis frappé. Je me souviens bien de votre visite sur ce plateau il y a quelques mois. Et vous aviez évidemment des kilos de plus, une énergie énorme. Et là, c'est impressionnant de vous voir arriver très affaibli. Je veux dire, tout à coup, on a moins envie de nous de faire les rigolos. Parce qu'on avait prévu des petits gags dans le genre, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de l'Assemblée, est-ce que la salle a mangé, par exemple. Bon, mais ça, on n'ose plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup, parce que ça m'encourage. Le respect, ça me donne du courage. Ben, oui, c'est bien. C'est ça. Mais bien sûr, mais je vous le dis franchement. Et il vaut mieux monter en col sous quelques applaudissements que sous les sifflets. Vandel. Alors moi, monsieur le député, j'étais allé vous voir, pas samedi dernier, mais l'autre samedi, à l'Assemblée nationale, pour voir comment ça se passait, en voir quelques images. Et ce qui m'avait frappé, c'est que vous n'étiez pas dans la salle des quatre colonnes, mais en plus, vous êtes actif, vous n'êtes pas quelqu'un sur un fauteuil. Et là, vous souteniez des salariés d'une usine qui devait fermer. C'était très, très émouvant. La salle était conquise. À la fin de votre plaidoirie, on vous a presque applaudi. Même les journalistes vous ont applaudi. Et puis après, la conférence de presse qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'avant de répondre aux questions personnelles, on a vu que vous deviez vous lever et marcher pour aider à la circulation du sang. Et il y a un chemin de croix impressionnant. Alors évidemment, on ne peut que vous admirer, mais en même temps, ça me terrifie, non pas pour vous, mais de manière plus générale, c'est que si même un député, un élu du peuple, je crois que vous n'êtes que 577, est obligé de faire ça pour se faire entendre, comment peuvent se faire entendre les citoyens normaux? Est-ce que ce n'est pas une faillite terrible de la démocratie, cette grève de la faim? Ce n'est pas une faillite de la démocratie, c'est une mutation très importante de notre société, comme il y en a eu d'autres dans le temps, et qui fait qu'aujourd'hui, le politique, sur ses grands choix économiques, il pèse strictement plus rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les marchands, tout comme ça avait été le cas lorsqu'on avait découvert les Indes et les Amériques, et que chaque caravelle qui arrivait à Marseille ou à Lisbonne était chargée d'or et d'épices, ont généré une cinquantaine, une centaine de richissimes personnalités qui font et défendent les vies aujourd'hui, qui décident de tout. Et on n'y peut rien. Et parmi eux, Total. Et ce n'est pas normal qu'avec 13 milliards d'euros de bénéfices, on ne trouve pas 4 sous pour faire une reconversion de l'AC. Et c'est là qu'il faut que, si mon geste peut servir à quelque chose, c'est partir d'un fait concret, parce qu'on nous dit toujours, mais du concret, monsieur, du concret, du concret. Ça, c'est du concret. Une usine qui n'a pas besoin de partir, ça se passe dans toute la France, ça se passe dans toute l'Europe, et ça rejoint effectivement le grand malheur de nos jours. Gérard Miller. Ce qu'il faut quand même souligner plus que votre courage, c'est que votre cause est juste. Je trouve que les députés, j'en ai lu un certain nombre, je ne vais pas les citer, qui passaient devant vous et qui, au lieu de vous soutenir, des sarkozystes et d'autres, et des socialistes aussi, se moquaient de vous, sont des salopards. Je trouve que votre combat est formidable et qu'en effet, c'est un combat désespéré. Mais ce qui fait que ça n'est pas désespéré, c'est qu'on est très nombreux à vous soutenir. Merci. J'ai marqué ça. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Vous êtes moqué de moi parce que j'ai dit deux fois ça. Une fois à propos de la déclaration de Chirac, une fois à propos de votre grève de la faim. Ben je le maintiens. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. On préfère le lire que l'entendre le dire. Aïssa. On l'a pas déjà assez entendu. Non, moi j'ai mal au cœur quand je vous vois. J'ai mal au cœur quand je vous vois diminuer de jour en jour. J'ai mal au cœur qu'on en arrive là. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec, votre façon de faire, ce côté... Je vais quelque part être un martyr. Je veux dire, je vais prendre sur moi pour le bien de ma commune, pour le bien des autres. Peut-être que dans le futur, vous n'allez plus avoir les capacités et la force que vous avez eue jusque-là. Est-ce que vous en avez vraiment conscience? Est-ce que votre commune n'a pas plus besoin de quelqu'un de fort? Je trouve que pour l'instant, il est bien plus lucide que bien nombre d'hommes politiques qui sont venus ici et qui bouffent trois fois par jour, hein, croyez-moi. Oui, mais l'avenir, quel sera votre avenir? Si je l'ai fait, c'est parce qu'on vous promet, la lune, il n'y a rien qui suit. Donc, je ne suis pas un martyr, je suis un combattant. Un combattant. Et j'ai envie de combattre et je resterai debout autant qu'il le faudra. Et je vais même vous faire une confidence, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que je vais gagner. Voilà. Je vous le souhaite. Je veux gagner. Monsieur Lassalle, concrètement, qu'est-ce qui peut faire que vous arrêtiez sur le champ cette grève de la faim? J'arrêterai dès que le contrat sera signé, notamment avec l'État français, mais le groupe Toyal au Japon,
et Total, et puis toutes les administrations, conseil général, conseil régional. Ce jour-là, j'arrête, mais je ne suis pas là. Une toute petite dernière question qui a trait avec l'actu. Vous êtes devenu un symbole qui va même au-delà de l'affaire Toyal et de votre vallée. Hier, il y a des gens viennent vous voir, comme on allait voir le pape, pardon de vous le dire comme ça. Et hier, vous avez reçu la visite de Denise Barber. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Pourquoi voulait-elle vous voir? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? D'abord, je l'ai trouvée très jolie. vraiment, je dois le dire, excusez-moi, mais je ne savais pas qui elle était en plus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est joli cette fille? Il n'y a pas que des mauvais moments dans ma situation. Alors j'ai demandé un petit peu à voix basse qui c'était, on m'a dit qui c'était. Et puis je l'ai trouvée vraiment charmante et elle m'a donné un sacré paquet de vitamines. Je l'ai embrassée 4 fois. Elle est dopée? Non, je ne crois pas. Bon, écoutez, on a bien compris le message. Reposez-vous ce soir et on espère... Très vite que dans les journaux, on lira un dénouement heureux à cette affaire et à cette grève de la faim. Bon courage. Vous êtes toujours aussi chouette. Et c'est un plaisir de vous regarder à la Noël, pendant les vacances, parce que là, il y a toute l'émission complète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre dernier invité pour ce soir, c'est le philosophe et écrivain français connu dans le monde entier, Bernard-Henri Lévy, célèbre pour ses fameuses chemises blanches, pour le couple qu'il forme avec Ariel Dombal, aussi pour faire partie des cibles privilégiées de l'Entarteur. Hélas pour lui, Bernard-Henri Lévy vient de sortir ce livre américain Vertigo, un nouvel ouvrage paru chez Grasset, un ouvrage sur les États-Unis d'Amérique, puisqu'il a passé 9 mois aux States et parcouru en tout, 25 000 kilomètres. Accueillons tout de suite, pour nous parler d'American Vertigo, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, bienvenue. Je sais que vous avez au moins un ami ici, c'est Gérard Miller. Jusqu'à présent, je le crois, oui, absolument. Oui, mais j'en ai d'autres, j'en ai beaucoup dans cette salle. Au moins. Et à mes côtés. Au moins. Philippe Gueluc n'est pas ami avec l'Entarteur, donc soyez rassurés. Mais c'est toujours embêtant de dire qu'on est ami avec moi, j'ai l'impression de dénoncer quelqu'un. Vous savez, si je dis Gueluc est mon ami, j'ai l'impression que je le mets sur la liste noire. C'est pour ça qu'avec Miller, je suis un peu prudent. Non, Miller, c'est beau, il en a fait les frais déjà. Oui, ah bon, alors ça va. Alors, ce livre. On le sait, on l'a beaucoup lu, beaucoup raconté, il a été beaucoup commenté. C'est une sorte de carnet de route de votre séjour de 9 mois aux États-Unis, 9 mois à travers les États-Unis, dans différents États. Combien d'États vous avez fait d'ailleurs? Tous, sauf un. Sauf l'Alaska, j'ai traversé tous les autres États. Mais c'est comme les noms des nains dans Blanche-Neige, on en oublie toujours un. On arrive à... Et celui-là, voilà, je me suis rendu compte à la fin que je l'avais oublié. Et il s'appelle Achoum d'ailleurs, parce que voilà. En froid, c'est l'Alaska. Ça commence pareil. Absolument. BHL dans tous ces États. Alors, avec, on s'est un peu moqué de vous, un chauffeur, parce que vous n'avez pas le permis de conduire. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui m'intéresserait, ça, on ne vous a pas encore posé la question, et après on reviendra sur le contenu du livre, c'est pourquoi vous n'avez pas le permis de conduire? Je sais pas. Parce que c'est quand même une question. Honnêtement, je sais pas. À votre âge. Ben oui, voilà. Attendez, moi j'ai une seconde question. Non, mais attendez, j'ai un chauffeur quand je suis en Amérique et quand je suis gâté par l'Atlantic Monthly. J'avais pas de chauffeur à 20 ans, mais c'est vrai que j'ai jamais eu envie de passer le permis de conduire. Avant d'écrire ce livre, est-ce que vous avez déjà. J'imagine que vous aviez déjà fait de longs séjours aux États-Unis, mais est-ce que vous aviez déjà pensé une fois, est-ce que ça vous a traversé l'esprit, vous installer définitivement aux États-Unis? Non, pas spécialement aux États-Unis. D'abord, je suis français, je suis heureux d'être français. Je trouve qu'on vient dans un pays qui a des tas d'aspects détestables et des tas de côtés formidables, et j'ai jamais pensé quitter mon pays. Mais si je devais le faire, les États-Unis, c'est un endroit où je pourrais vivre, en effet. En tout cas, ça prouve que vous aviez le bon passeport pour aller là-bas, parce que vous savez qu'il y a des tas de problèmes pour aller aux États-Unis en ce moment. Ça commence à se régler, mais ça veut dire que vous aviez le passeport adéquat? J'avais le passeport adéquat. Et en plus, j'ai la chance d'être marié à une citoyenne américaine, qui est Ariel Dombal, qui a un passeport américain. Qui ça, vous dites? Ce que vous ignoriez, c'est qu'elle était américaine. Non, c'est ça l'information. Oui. J'aimerais, avant de donner la parole à mes camarades, aussi que vous puissiez rappeler pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je faisais partie en tout cas de ceux qui ne l'avaient jamais lu, parce qu'on a comparé votre bouquin à son œuvre. Alexis de Tocqueville. Alors qui? Parce qu'on a dit, alors il fait le même voyage que Tocqueville. Qui était bah oui, cet Alexis de Tocqueville? C'était l'idée de départ. Hein, bien ça. De commencer par ça. Un petit cours. Alexis de Tocqueville, c'est un jeune aristocrate français qui, en 1831, prend la route des États-Unis pour voir comment ça marche la démocratie aux États-Unis et par conséquent ailleurs. Et pour voir aussi quels sont les dangers qui peuvent menacer une démocratie. Et notamment... pour expérimenter la marge qui existe entre la démocratie et la dictature.
comment, dans quel cas, dans quelles circonstances, une démocratie peut dégénérer en son contraire. Quels sont les principes malins qui, dans une démocratie, peuvent faire qu'un beau matin, on se réveille dans un régime qui n'est plus tout à fait une démocratie. C'est ça les questions de Tocqueville qu'il va se poser aux États-Unis, mais en pensant, bien sûr, tout le temps à la France. Donc vous avez essayé de refaire son voyage. Oui. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que physiquement, il y a une petite... Vous avez essayé de refaire la coupe de cheveux aussi. Mais oui, regardez, c'est fou, ça pourrait être vous. Oui. Annie Lemoine a lu American Vertigo. Allez, oui, on s'intéresse au contenu. J'ai lu avec plaisir parce que je vous aime bien. Quelquefois, vous m'agacez, mais je pense comme beaucoup de gens, en fait, je vais être dans la moyenne, moi. M'agacer par le côté un peu mondain, un peu précieux, un peu snob, très chemise blanche et lunettes noires. Mais je crois qu'il faut dépasser tout ça parce que finalement, c'est un homme intelligent. Je vous livre quelque chose de. C'est un scoop. Salut, Paul Verneuil. Non, mais c'est vrai. Et on voyage en bonne compagnie. Et c'est un... Si vous voulez, on découvre l'Amérique au travers du regard de Bernard-Henri Lévy, et comme c'est un regard effectivement, encore une fois, intelligent et exigeant, curieux, cultivé, eh bien, on passe un très bon moment. Et je crois qu'on en apprend plus sur vous, finalement, dans le livre que sur les États-Unis. Mais quand vous dites, c'est surréaliste ce moment aussi, quand vous dites à une pute, c'est un moment qui me revient en mémoire, du côté de Las Vegas, vous dites à une prostituée, non, pas d'ambiguïté, je viens pas pour vous, en fait, je viens pour Tocqueville. Oui. Vous dites, moi j'aurais voulu être dans la chambre pour voir la tête de la prostituée. Toi, t'avais surtout envie de faire Tocqueville, toi. Et plein de moments. Mais là, comme il révise son Kama Sutra, elle dit c'est quelle position celle-là. Mais voilà. Alors, moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que cette grande démocratie, la plus puissante du monde, a encore votre estime, votre admiration? La scène avec la prostituée, vous la caricaturez un tout petit peu, mais c'est vrai que la moindre des choses était quand même de lui annoncer la couleur. J'étais pas un client comme un autre. J'étais un client qui payait pour l'entendre et pas qui payait pour voir. Donc ça avait une petite différence. Et je peux vous dire qu'elle était ravie, d'ailleurs. Quand elle a compris que l'idée, c'était de parler pendant 10 minutes du système de la prostitution américain, ça la changeait probablement des clients habituels. Probablement. Oui, voilà. Oui. Alors, est-ce que la démocratie américaine mérite toujours mon admiration? Oui, dans le fond, et non dans les formes. Mm-hmm. Bien sûr que Bush est une tache sur la démocratie américaine. Mm-hmm. Bien sûr qu'il y a des pratiques aujourd'hui en Amérique, Guantanamo. Il y a un chapitre dans le livre sur Guantanamo, que je ne me suis pas contenté de critiquer depuis ma bibliothèque. Ah non, J'y suis allé, bien sûr. Là, Guantanamo, je suis allé voir comment c'était. Mm-hmm. Et c'est affreux, et c'est une honte, et c'est déshonorant. Même chose pour les prisons. Ouais. Même chose pour le système de prison américain, qui est infect, avec cette peine de mort qui plane au-dessus du système, avec ces minorités ethniques hyper surreprésentés, les Noirs et les Hispaniques, tout ça, c'est pas normal. Néanmoins, je crois que le fond de ce pays, les ressorts démocratiques, la croyance dans le credo américain sont intacts, je le pense. Et que par conséquent, la vitalité démocratique du pays va nous surprendre très très vite. Je donne la parole à Gérard. Alors, je vais vous dire quel est le plus grand malentendu avec Bernard-Henri Lévy avant de vous donner mon avis sur le livre. C'est que les gens croient que c'est un bon communicant. Moi, ça me fait tordre de rire qu'on pense ça de vous. Parce que chaque fois que quelqu'un prend la parole sur vous, il commence par des nuances. Alors, je n'aime pas trop ça, votre chemise, je suis un peu agacé par ce... Si vous étiez un bon communicant, les gens reconnaîtraient ce qui est quand même l'essentiel. Vous êtes un bon écrivain, vous êtes un formidable orateur. J'en connais peu d'aussi doué que vous. Chaque fois qu'on reçoit un de vos livres, c'est avec plaisir qu'on le lit et les lecteurs suivent. Donc franchement, s'il y avait une chose à dire à Bernard-Henri Lévy, c'est arrêtez de faire votre communication. Les gens ne seraient plus finalement sensibles à votre personne et beaucoup plus à votre œuvre, dont je maintiens qu'elle est formidable. Voilà. Gueluc. Alors, j'ai trouvé votre livre formidable. On vous suit, on apprend j'ai compris qu'il, par moments, il réfléchissait comme nous, comme moi. Vous avez une seule idée en tête quand vous voyez Hillary Clinton, c'est que vous pensez à Monica Lewinsky et au plumeau du bureau ovale. Et vous dites, si elle devient un jour candidate à la présidence et qu'elle accède à la plus haute fonction, ce sera pour ça que les Américains l'éliront, c'est pour l'imaginer un jour dans ce bureau ovale. Parce qu'à l'Élysée, on peut changer de bureau. Aux États-Unis, non. Il n'y a que ce bureau-là qui peut être occupé par le président. Et je me dis, ça, c'est formidable qu'un grand philosophe pense à une chose aussi sournoise comme on lit match ou gala dans la salle d'attente du coiffeur. Mais je crois juste que c'est... Il n'y a qu'à ça que pensent les Américains eux-mêmes. Quand ils voient Hillary Clinton s'apprêter à briguer la présidence, les uns s'en réjouissent, les autres le déplorent. Mais les uns comme les autres ont en tête cette idée-là.
l'idée qu'elle va un jour entrer, fouler au pied la moquette où s'est produit la chose, l'endroit où s'est peut-être posée la tâche, le fauteuil sur lequel quelques préliminaires ou achèvements se sont opérés. Les Américains ne pensent qu'à ça. Alors, comme ils sont très puritains et que le problème de l'Amérique, c'est le sexe et le puritanisme, évidemment, ils ne le disent pas pour l'instant. Ils pensent qu'à ça, personne ne le dit. Mais le jour où elle va se déclarer, là, vous verrez que ça se dira. Caroline Diamant. Alors, moi, je fais peut-être partie des rares personnes qui connaissaient Tocqueville et qui savent à quel point c'est difficile de se garer dans sa rue à Paris. Mais c'est à peu près tout, je l'avoue. Bon. Aïe. Non, non. Alors, bon. Moi, j'aime tout de vous, je vous dis tout de suite. Ah, moi, bon. J'aime le look, j'aime ce que vous dites, je pourrais vous écouter parler des heures. Jamais une parole qui sort de votre bouche ne me paraît incongrue ou déplacée. Je suis... Je vous voyez, ça m'arrive pas tous les jours. Que, franchement, je l'ai rarement vue aussi en beauté sur un plateau qu'aujourd'hui. Elle a sorti un rouge à lèvres qu'on n'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pour ça, je me demande si elle ne s'est pas déguisée en Sharon Stone. Mais oui. Même si j'avais voulu, je vais vous dire... Je me permettrai même d'ajouter que je l'ai rarement vu mettre coller autant de post-it dans un aussi gros livre qu'aujourd'hui. Ouais. Non, c'est pas vrai. La conclusion, l'épilogue et le... Je vais pas commenter parce que c'est un tout petit peu trop compliqué pour moi. La thèse de Fukuyama et celle de Huntington, j'ai vraiment essayé de comprendre, mais j'ai pas tout compris. Il faudra que je relise pour vraiment comprendre. Là, elle demande un cours du Exactement. Soir. Vous n'avez pas tout traduit. Il est accordé. Quand vous, quand vous voudrez. Je vais en acheter du rouge à lèvres, moi. C'est sérieux, Fukuyama Huntington au programme du cours du soir, mais on n'a pas besoin de Ruquier, on fera ça vous et moi. Eh bien, parfait. Alors, bon, j'arrête le tremblement, je reprends. J'en étais où ? La question. Vous avez été très déçu au moment d'assister à une conférence démocrate par le fait qu'il n'était intéressé que par la collecte de fonds et qu'il n'y avait aucun débat d'idées et aucun programme. Puisqu'ils sont tellement intéressés par la collecte de fonds, est-ce que vous avez essayé de rencontrer Bill Gates, oui ou non? Est-ce que si vous avez essayé, vous n'avez pas pu? Voilà un homme qui est tellement riche aux États-Unis, s'il n'y a que la collecte de fonds qui intéresse les partis politiques, voilà un homme qui pourrait presque acheter le choix du président des États-Unis. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer cet homme-là? J'ai essayé, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré le Bill Gates des démocrates, qui s'appelle George Soros. Qui donne beaucoup d'argent aux démocrates, qui a donné la moitié du budget de John Kerry. Et ça n'a pas marché. Parce que les démocrates ont eu autant d'argent que les républicains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que contrairement à ce que croit la gauche américaine, il ne suffit pas d'avoir du pognon pour gagner une élection. Leur grande erreur, elle est là. Ils ne manquent pas d'argent. Ils ont de l'argent. Ils manquent en revanche d'idées. Et c'est le... ils en ont eu, ils en auront. Et là, ils sont dans un moment de basse eaux, un moment où ça ne va pas fort, peut-être quand il faut digérer une grande révolution comme celle qu'il y a eu dans les années 60 et 70, mais il manque plus d'idées que d'argent. Vandel ? Moi, j'ai adoré, je suis comme mes camarades, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'il y a un style infernal. C'est tellement bien écrit, c'est dynamique, il y a 450 pages, on a l'impression d'en avoir lu 200, et je ne dis pas ça sur le contenu, mais sur le fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. J'ai deux questions. Alors, la première, qu'appelez-vous et que vous dénoncez la dictature de l'opinion ? Car j'ai toujours cru que la démocratie, c'était l'opinion qui s'exprimait, alors que le contraire de la démocratie, c'était la dictature. C'est-à-dire que dans une démocratie qui fonctionne bien, il y a deux éléments. Il y a la représentation nationale et puis il y a l'opinion. L'un doit tenir compte de l'autre. L'un ne doit pas se substituer à l'autre. Quand c'est par exemple là, quand c'est la rue qui fait les lois, hein, ou quand c'est l'opinion qui décide d'un gouvernement, qui décide de renverser un gouvernement, par exemple. C'est arrivé dans l'histoire de France, ça, 1934. Ben, l'opinion, elle était dans la rue et elle voulait renverser le gouvernement de la République. Ça s'appelle la c'est une des formes de la dictature de l'opinion. Donc moi, je crois que là, ce que Tocqueville dit, d'ailleurs, dans le livre sur l'Amérique, c'est que la bonne démocratie, c'est les deux à la fois. C'est des gouvernements qui évitent d'être autistes et qui, par conséquent, entendent ce que dit l'opinion, et puis une opinion qui évite, elle aussi, de donner des ultimatums capricieux à des gouvernements auxquels elle se substituerait. Moi, j'ai lu quelque chose sur vous. Gérard dit que vous n'êtes pas un bon communicant. Il y a quelque chose qui fait peur chez vous. On dit que vous avez un pouvoir phénoménal. Alors, j'ai une petite question qui va vous gêner. Est-ce que s'il y a un propos qui vous gêne ici, sur ce plateau, vous allez demander à la chaîne de le couper? Attendez... Écoutez, s'il y a bien quelqu'un sur lequel on dit souvent, on écrit dans les journaux, à la télévision et dans des bouquins des choses très désagréables, c'est moi.
Et les livres y paraissent, et les articles y sortent, et les émissions de télévision. Il y a eu une chanson de Renaud entièrement. Ah oui. Renaud rêvait que je la fasse interdire, ou les avocats de Renaud en tout cas. Hein. L'idée ne m'a même pas traversé. Alors maintenant j'arrive à ma question, donc je suis absolument ravi. Et je vais vous dire, j'aimais pas tellement votre personnage, j'estime énormément le travail que vous faites, et j'ai changé d'avis. Parce que j'ai lu un livre que vous n'avez pas censuré, qui est le livre de votre fille, que je trouve absolument incroyable, avec un talent phénoménal, j'ai été emporté dans l'histoire. Elle parle de vous comme personne n'a jamais parlé de vous, et alors elle dit cette chose, cette révélation, elle va pas très bien, et là, je voulais savoir comment vous avez pris ce passage-là. Elle raconte qu'un jour, en fouillant dans les tiroirs du bureau de mon père, je suis tombé sur ses vitamines de cerveau. Tu vois le lapsus, père, peur. Je savais qu'il en prenait des vitamines du cerveau, parfois pour travailler, pour rester éveillé, pour finir ses livres. Je savais que ça le rendait nerveux, concentré, irascible, rapide. C'est votre fille. Lui-même d'ailleurs n'en parlait jamais, sauf avec ses copains écrivains, quand ils s'échangeaient leurs recettes. Ça s'appelait Dinintel, c'est pilule miracle, ou Survector, ou Captagon. On n'a qu'à dire amphétamine, juste amphétamine, car toutes ces saloperies se ressemblent et elles ont le même effet. Alors, comment vous avez pris ça? Et est-ce que vous prenez toujours des amphétamines? Il est malin, Vandel, hein. Comment j'ai pris ça? J'ai été bouleversé quand j'ai lu ça, bien sûr. J'ai été bouleversé d'abord par le talent de ma fille, parce que je découvrais d'abord un merveilleux écrivain. Ouais. Et puis ensuite, assez bouleversé par la scène qu'elle racontait. Mais c'est pas la seule chose qui m'est bouleversée dans ce livre. Voilà. Est-ce que je prends toujours des amphétamines? Non. Depuis ça. C'est vrai. Voilà. Depuis, je me suis juré de ne plus toucher à ça après la lecture du livre de Justine Lévy. Gueluc ? Je ne suis le porte-parole de personne, je ne représente ni mon peuple, ni mes compatriotes. Mais je ne peux pas ne pas passer sur cette question-là. Vous vous êtes fait entarter encore à la récente au Salon du Livre, et je crois que c'était la 7e fois. Ça devient agaçant pour vous, et on l'a vu certaines fois. Or, Noël Godin a plusieurs fois dit que si vous chantiez en public, avez-vous vu le joli chapeau de Zozo, il arrêterait de vous persécuter. Vous êtes en public. Je peux vous donner la partie. Non, je peux vous écrire à la partition, on peut vous aider à la chanter. Mais pourquoi ne le faites-vous pas? Et ça s'arrêterait, la fatwa pâtissière s'arrêterait. Parce que vous venez de le dire, c'est une espèce de version burlesque de chantage très désagréable. Et j'aime pas le chantage, j'aime pas les menaces, j'aime pas les ultimatums. Mais la chanson, ce serait un geste de réconciliation planétaire. Mais j'ai pas envie de me réconcilier avec ce personnage. Mais avouez que vous ne savez pas chanter, alors. De surcroît. En plus, d'abord, un, je connais pas les paroles. Deux, je le chanterai très mal. Mais trois, surtout, c'est plus sérieux, j'aime pas les chantages. Quelqu'un qui dit... J'arrête de vous agresser si vous faites ceci ou cela, mais ça peut être n'importe quoi, même embrasser une charmante jeune femme. Hélas, si c'est un chantage, je ne le ferai pas. Ça s'appelle faire chanter quelqu'un. Pour elle, ça s'appelle un râteau. Hein. Où va l'Amérique? C'est la question que se pose Bernard-Henri Lévy à travers ce voyage, son périple aux États-Unis. American Vertigo, c'est chez Grasset. Vous l'avez compris, BHL ne chantera pas le chapeau de Zozo dans notre émission ce soir, mais il va quand même participer au Qui a vu quoi. La plus forte dans notre jeu n'est pas là ce soir, vous la connaissez sûrement, c'est Isabelle Alonso qui a 148 points. Si vous trouvez une bonne réponse, monsieur le philosophe, vous pourrez offrir vos points à l'un de nos chroniqueurs. Caroline Diamant est en émoi. Remets du gloss, Caroline. Que je commence par trouver et on verra après à qui je donne. Exactement. Première photo. Je donne le nombre de points d'abord. Le général de Boissieu. J'ai pas les codes, j'ai pas les réflexes. Non, moi je le défends. Je le défends. C'était 10 points que vous accordez à qui? Caroline Diamant, tu m'étonnes. Il a le droit. Le général de Boissieu. C'est quelqu'un d'admirable, donc c'est en plus un beau cadeau. Voilà. D'accord. Compagnon de la Libération, évadé à la fin 40, un des premiers engagés dans la Résistance, très grand Français. Décédé à l'âge de 91 ans. Qui vient de mourir. Photo suivante. Attention, ça vaut bien 30 points. Comment s'appelle cet endroit?
C'est le café qui a été attaqué et qui, dans le 20e arrondissement, a été attaqué. Les marronniers, brasserie Les Marronniers. Wow. Excellente réponse, Dany Lemoine. Comment vous savez ça? Mais je lis les journaux, mon cher ami. Elle est journaliste. C'est une nouvelle qui revient tous les ans. On appelle ça un marronnier. La brasserie Les Marronniers à Marseille, il faut le faire. Mais c'est quand même 30 points pour Dany Lemoine. Bravo, Dany. Photo suivante. Ça vaut, allez, 20 points. C'est le nouvel espace Maroc qui va... Non, c'est une télé-réalité. De quoi s'agit-il? C'est une émission de télé. C'est peut-être là où ils vont se reposer quand ils vont sortir de l'émission débile de TF1 qui va commencer. Pas du tout. C'est un hôtel. Pas tout à fait. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. C'est au Maroc? Non. C'est à Moscou? Est-ce que la réponse commence... C'est en Europe? Est-ce que la réponse commence par... C'est la première fois que... C'est en Hongrie? Ah, c'est à Budapest? Non. C'est un rapport avec le football? Oui. C'est là où vont se détendre tous les joueurs de l'équipe de France pendant le... C'est la piscine de l'équipe de France en Allemagne. J'espère que non. C'est la piscine de l'équipe de France. J'espère que non. J'espère. Oh mon Dieu, c'est la piscine du bordel. C'est la piscine du bordel allemand. Excellente réponse, Dany Lemoine. Mais bravo là. Ah oui, bravo. Chapeau, Annie. Chapeau. Information, déduction. Mais oui, déduction, vous êtes sur tous les fronts. Didier, Annie connaît tous les endroits où elle a travaillé. Bernard Henry. Dernière photo. De qui s'agit-il? Ça vaut 10 points. C'est une photo de jeune fille de Shirley Dino. Je reconnais ça. Photo de jeune fille du mariage de Shirley Dino. Bravo. Excellente réponse. Caroline, il y a un moment très important dans cette émission, c'est à qui donnes-tu ces points? Devant Bernard-Henri Lévy, tu ne peux pas te montrer moins généreuse que lui. À qui donnes-tu ces points? Je pense qu'il a décelé la femme vénale en moi, je les garde. Bernard-Henri Lévy, vous avez fait un bon parcours dans ce jeu, un beau parcours aussi aux États-Unis. Ça donne ce livre américain de Vertigo. Merci à vous, c'est chez Grasset. À demain.